Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Vous êtes sorcier. Oui, papa. Voici ça. Vous êtes sorcier. Hein? Oui, maintenant, vous voulez quoi? Oui, hein? Oui, et vous voulez quoi? La mais où m'aille la zbado? C'est la question que je pose. Vous avez trouvé le travail, c'est pour m'aille l'homme. C'est pas bon. Hein? Vous ne voulez plus manger? Pourquoi? C'est donné à main maintenant. Toi, viens ici. Est-ce que je vous ai forcé? C'est moi qui vous ai dit de venir ici. Toi. Ah, tu dois être dangereux, c'est toi qui m'as attaqué hier. Toi. Faut essayer d'avoir cancer des cerveaux, tu suis ça soit dans tes narines, dans tes oreilles. Tu es sorcière. Hé, hey, il faut parler. Où est-ce que tu es? Regarde là-bas. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma grosseur. Où elle est? Madame? Viens. C'est un sorcier. Viens pas. Tu peux dire oui sans micro. Comment c'est dans le micro là qui oui reconnaît le micro. Tu es sorcier. Oui, papa. Vous la teignez. Comment tu t'appelles? Elle va parler. Ça vient plus qu'à la tête. Tu es sorcier. Oui, c'est toi qui as donné à ta petite sœur. Oui, pourquoi? Comment tu l'as initié? Il a dit. Hein? Ça veut dire quoi? Les sorciers, la série, on donne aux gens. Hein? Mais tu dis pas ça, ou bien tu n'as pas envie de parler? Il te force ou bien? Comment tu as fait? Il a donné la parole. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Hein? Non, tu as donné la sorcellerie, le bien de la cité pour la rendre sorcière, c'est ça? Et pourquoi? Hein? Viande, c'était quelle viande? Viande. Où tu as levé ça? Toi-même qui t'a donné? C'est un vieux qui m'a donné. Il n'a pas de nom. Il s'appelle Bernard. Hein? Bernard. Toi, qu'est-ce que tu fais le vieux? Comment il t'a donné? Il m'a donné un vieux. Comment il t'a trouvé pour te donner? Il dormait. Mais toi, tu as quoi? Ouais, lui, il vient en rêve. Je te dis, il faut parler. Tu as quoi? Ouais, lui, le vieux là te donne. En rêve, tu as faim ou bien? Mais pourquoi c'est toi qui donne rien bien?
Hein? Il veut m'initier. Pourquoi c'est toi qui veux initier? Tu as tué combien? 10 personnes. Comment tu as fait? Comment tu fais pour tuer les gens? Attends, tu n'as pas eu de parler? Mais ta voix sort pas. Comment tu fais? Oh, personne, comment tu fais? Je deviens piton. Puis comment tu deviens piton? Tu fais comment pour devenir piton? On pense que tu es une petite fille. Hein? La petite là, oh, tu deviens piton. Comment tu fais? On ne t'a pas forcé. Hein? Donc, on veut savoir comment tu peux devenir piton. Tu n'es pas la seule. Hein? Comment tu deviens piton pour aller manger les gens? Non, comment tu fais pour devenir piton? Toi, tu es homme, non? Non, on veut savoir. Tu dis quoi et puis tu te transformes en piton. C'est ce qu'on veut savoir. C'est chinois, ils sont des balais. Tu es homme, non? Oui, tu es piton. Hein? Comment tu dis quoi pour devenir piton? Tu n'as pas compris? Ah, il faut répondre. Tu as compris, non? Comment tu fais? C'est ce qu'il faut savoir. Non, mais savoir ça. Du coup, toi, tu es homme. Et puis, tu deviens piton. Comment tu fais? Et puis, tu deviens piton. Comment tu fais ton pouvoir? Et du coup, tu deviens piton. Ça, ça nous intéresse. On veut savoir ça. Hein? Tu dis rien. Tu te couches en bas, tu deviens piton. Tu cries quoi? Voilà, tu cries quoi? Tu appelles ton pouvoir comment? Tu appelles ça comment? Tu vas manger le micro. Embêté ou un. Et puis tu viens, piton. Le pouvoir vient. Ça quitte où? Tu deviens piton. Et tu fais comment? Hein? Dans la maison. Dans la maison de qui? Celui que tu veux tuer. Et quand tu arrives là-bas, tu fais quoi? Hein? Tu veux quoi? Je mords la personne. Tu mords là où tu mords? Je mords la personne. Tu mords la personne. Pourquoi tu mords la personne? Je mords la personne. Tu mords la personne. Ok. Et puis la personne fait comment? Meurt. Et puis toi tu fais quoi? Tu manges ou tu jettes la dinde? Tu manges. Quelle partie? La tête. Et tu as tué combien? 10. Et toi? Elle. Tu l'as envoyée dans ton club là? Dans le micro. C'est ta patronne. Hein? Oui, papa. C'est ta patronne. Oui, papa. Qu'elle t'a donné là? Tu es une élève, non? On dit généralement l'élève devient plus grand que maître. Elle t'a donné? Oui, papa. Et tu as fait quoi? J'ai mangé. Hein? J'ai mangé. On n'a pas tué dimanche. On tue en va de manger. Tu as tué? Oui, papa. Combien? 6. 6 personnes. Comment tu fais pour tuer? Je deviens oiseau. Mmh. Seulement. Tu n'as pas dit chien, c'est l'oiseau. Quoi, je deviens chien, quel genre d'oiseau?
Hein? Tous les oiseaux sont gentils. Mais il fait comment? Il est noir. Puis il est comment? Il a les ongles. Mais tu fais comment? Parle. Il m'abaisse, puis il dit. Il met sa tête. Il m'abaisse. Le micro t'attrape. Hein? Ça soit pas. Tu parles pas ou bien? Je m'abaisse et puis je deviens oiseau. Bon. Tu as tué 6 personnes? 8 ans. Le sorcier là, il tue pas son mec. Toi, tu as gâté combien de personnes? 3. 3 personnes, tu as gâté? 8 ans. Qui? Ma camarade. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle. Camarade est qui? Ta famille là, c'est ce que je cherche. Sorcier, si il garde là-bas la maison avant de partir chez les voisins, je suis voisin. Et toi, tu as laissé d'abord famille Anne d'aller gâter les voisins. Tu as gâté qui? J'ai gâté. Dans le micro. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que tu as gâté? Parle fort! Comment tu as fait pour la société? Vous avez programmé qui? Vous voulez tuer qui? Mon père. Où il est? Le qui criait, criait là. Oui. Viens ici. Oui. Je te tais pour te donner le coup. Je te dis, tu vois clair. Elle dit, ça va te tuer. Qui savait ça? C'est ici que tu as appris. Elle t'a dit ça depuis Guimiroir. Faut parler. Oui, papa. Il est chaud derrière, tu parles. Oui, oui. Ça m'étonne même. Eh, vraiment. Okay. Là, là, tu criais, criais, criais. C'est vrai, maintenant, depuis Guimiroir. Maintenant, tu as la parole. La première des choses. Tu es venu de Guimiroir. Oui, moi, je viens de Guimiroir. La première des on choses. On se connaît. Non. Tu vois, ah, le prophète. Non, c'est pas mon temps ici, hein. C'est bébé. On ne connaît pas, heureusement, qu'on a ce centre-là. Quand un projet de sorcellerie, quand un projet de sorcellerie, les gens savent où mettre la tête, vous avez délivré. C'est tout. C'est comme si tu es malade, il y a clinique, il y a dispensaire, tu te fais soigner. C'est tout. C'est pas, ici, ce n'est pas fait de montage. Si, ici, même quand tu viens d'avoir des palais, on te met à la porte. On te dit, va. Ils ne sont pas là pour les trucs, pour délivrer les sorciers. Oui? En 2014. Oui, ça c'est tout loin. Bon, c'est-à-dire, comment j'ai su, elle allait à l'école. Elle a passé au concours des choses. Il a fait la sixième. Bon, c'est loin. C'est là, elle ne voulait pas aller à l'école. Maintenant, comment j'ai su ça, je l'ai envoyé chez un prophète, à Bio Carrefour. C'est là-bas, elle a voulu. Mais pourquoi elle n'a pas délivré là-bas? Ah, papa, vraiment ça là. D'après le prophète, il a dit qu'il a délivré ma fille. Mais moi, je sais que depuis qu'on est sorti de là-bas, ma fille n'est pas tranquille. Et puis moi-même, mon cœur n'est pas tranquille. Parce que ce qu'il a fait là, depuis là, je ne sens rien. Il a fait quoi? Bon, après, il dit qu'il a délivré ma fille. Il a chassé les démons, tu as vu? Bon, il n'a pas chassé les démons. Il a fait quoi? Il donne l'eau. Ouais. Comment? Tu as dit, bon. Tout à l'heure, si moi je suis sorcier, il me donne de l'eau, il dit bon, qui t'y a tué? Il dit le nom des personnes. Après, il dit bon, quel travail tu as gâté pour qui? Il dit bon, pour ma fille ou bien pour mon grand frère. Il dit bon, voilà l'eau là. Il faut boire, il faut verser. À partir d'aujourd'hui, si tu reprends, tu vas mourir. D'accord. C'est comme ça, je suis quitté là-bas avec ma fille. Donc, bon, stop. Depuis là, vous l'avez programmé? C'est quand vous l'avez tué? Hein? Après demain là? Oui, pas. Novembre, décembre? Oui, pas. Vous avez mangé monsieur là? Oui, pas. Donc vous avez déjà attaché? Oui, pas.
Quel décembre? Premier, deux, trois, quel jour? Le 5. Le 5. Ah, c'est une grosse mamite. C'est en décembre, on ne va pas la petite mamie, c'est la grosse mamite. On invite tous les collègues sur le site de la région. Il est qui pour vous? Hein? Hein? Il est qui pour vous aider mouton? Ce n'est plus papa, ce n'est mouton. Même si tu l'as transformé, il est d'abord papa avant d'être le mouton. Donc monsieur, on dit tu cries bien là-bas. Hein? Tu vas à l'église? Quelle église? Tu vas à l'église. Tu sors ta tâche dans un bain. Ok. Il vous a fait quoi? Il nous a bien fait Il dit mon père il parle trop, il ne l'a jamais. Hein? Lui qui nous a envoyé, quand on a tué mon papa, il dit mon père il parle trop, il parle mal. Donc moi c'est pas lui qui accuse. Hein. Je ne vais pas mettre quelqu'un. Toi ce que tu as fait à ton papa. Parce que tu pourrais aussi dire non. Donc on va dire que c'est lui qui nous a envoyé là. Non, j'aime pas ça. Toi ce que tu as fait, tu as attrapé ta compote, tu viens de le prendre. Quand il dit de le prendre, tu l'as pris, non? Oui. Alors. Et tu l'as attaché où? Il l'a attaché là-bas. Là-bas, c'est un pas de nom. Pour le manger, le saint va mourir. Dans une bonne sauce graine. Foutou est du lit à côté. Et celle-là? Ton élève là. T'as gâté qui? J'ai gâté la vie de ma soeur. Hmm? De ma soeur. On te force ou bien? Non, papa. Donc, vous allez le laisser? Oui, papa. À part lui, tu as gâté qui? Donne le micro à celle-là. Tu as fait quoi? Enfin, j'ai écrit ma grande soeur. Tu as fait quoi ta grande soeur? J'ai écrit son nom sur le tableau noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si mon passé c'est elle qui passe. Hmm? Si on vient de tuer mon passé, c'est elle. Je n'ai pas compris. On vient de tuer mon père. Si qui on? Si on vient de tuer mon père. Si j'ai fini, faut dire je. Si je qui on? Si je finis de tuer mon père, c'est elle. Alors. Et puis tu as gagné beaucoup de choses, c'est ça? Comme ça, tu as. Ah, quand tu tues mon père, tu as gagné deux papas encore, trois papas, c'est ça? Ah? Mm-hmm. Quand tu tues lui là, tu vas avoir d'autres papas encore? Non. Hein? Si tu as tué ta soeur, tu vas avoir d'autres soeurs. Non. Je vais te manger. Elle sort gré. C'est pourquoi il est venu. Les gens ont fait foutu. Foutu banane mûre. Là, ça reste même pas même. Ça a fini la même nuit. Ça te fait quoi quand tu manges l'homme? Hmm? Quand tu fais rien, n'as pas pitié. Yeah. Hein? Yeah. Et puis tu manges. Qu'est-ce que tu gardes dans le village? Dans mon village, tu as gâté quoi là-bas? Tu as fait quoi dans le village? Hein? Tu n'as rien fait?
Tu es un baleine mystique. Quand tu parles, tu prends l'intelligence des gens. Quand tu parles, tu prends l'intelligence. C'est pas ça? Oui. Le point du baleine, c'est ça. Où c'est les baleines? Là-bas. Hein? C'est là-bas. C'est ça que tu n'as pas gâté là. Tu n'as rien fait dans le village. C'est ça que tu n'as rien fait. Rien fait. Hein? Rien fait. Mais pourquoi tu ne voulais pas dire? Ici là, c'est terminus, hein? Ici là, c'est terminus. Ici là, c'est votre terminus. Mamie, ça va? Tu es sorcière. Tu as caché chambre de qui dans ton ventre? Dans ton ventre là, c'est chambre de qui dedans? Hein? Elle est où? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Comment tu as mis sa chambre dedans? Hein? J'ai pris. Comment tu as pris pour mettre dans le ventre? Je suis allée là-bas. Comment tu as pris ça? Comment? Je vais te jouer le micro pour parler. Comment? Comme ça, comment? Il ne faut pas me cracher dans le micro là. Il faut parler. Ça fait comment? Mais comment tu as levé pour garder ça dans ton sale ventre? Le vent de sorcier, c'est ça? Et je suis la chair humaine sur ma vie. Elle dit peut dormir une nuit, ta chance est parti. Vous priez pas où? Vous dormez seul. Si c'est télévision, vous êtes là et ça va être chut. Et vous chasse. Et là, vous allez prier, Seigneur, tu es mère. Veillez la main, tu ne dis pas. Comment sortir et pas prendre chance pour mettre dans votre. Quand il dit Seigneur, tu bailles en même temps. Seigneur, tu es à ralenti. Mais, tu es parti. Sorcier dit, bon, j'aime bien les gens comme ça. Or, si c'est télévision, tu ne dors pas. Hein? C'est pour prier la sommeil. Ce n'est pas petit sommeil. Oh. Sommeil qui te fait coucher qu'à 6 heures. Or, l'âme du chrétien, c'est la prière. Le psaume 4, verset 9 dit, je me couche, je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce verset-là, répétez ça pour dormir. Il n'y a pas un sorcier qui va vous toucher. Psaume 4, verset 9. Répétez à 7 fois, vous devenez invisible. Dans le cas de le chinois sorcier, indien sorcier, quand il voit ta maison, c'est le son. Le son 4, verset 9. Amen. Amen. Ouais, c'est toi, j'écoute. Elle dormait, non? Tu as touché Sylvie, là, tu as tapé sur sa tête, tu as mis chance dans ton ventre. Tu es parti ça. Tu as fait disparaître son slip, c'est ça? Hein? Ici, là, nous délivrons les sorciers. Si tu vas voir quelque part un monsieur qui parle, qui chasse pas un démon, parce que ici, là, comment parler? Il faut qu'on chasse les démons. Si le démon n'est pas parti, c'est que la personne va sortir. C'est pas versé, ça ne fait rien même à un démon. Ici, nous délivrons les gens. Toi, tu as fait quoi encore? Tu as gâté quoi? Ta patronne.
La patronne donne les coups. Et on a, c'est comme si on vous forçait par nous. On vous force ou bien. Et dans tes champs, les paroles de mon père. Comment t'appelles? Regarde. On appelle ça Gounini. Gounini. Ça, c'est pas vrai caca. C'est caca de sorcier. On est assis. Gounini. Et quand cacao là, donne pas, tu es content. Hein? Eh, réponds-moi. Non. Ah non, puis tu gâtes. Tu es content? Tu as fait quoi encore? Monsieur, tu m'adresses à moi. Hein? Tu quand cacao donne donner l'argent, on gâte ça. Si vous voulez prendre une maison, hein, prenez une bouteille d'huile d'onction, hein, le psaume 55 ou le psaume 91, les deux psaumes là, c'est utile. Coucher du soleil vers 18h30, creuser un trou, répétez le psaume 91, ou bien le psaume 55, 21 fois. Quand vous finissez, versez-lui là-dedans. C'est tout. Il n'a qu'à venir mettre ses fesses. Il va avoir coco. Ça va sortir son anus. Moi, je suis là pour les mystères. Vous donnez les secrets. Tu veux chier, non? Viens chier. Quand ton anus, quand tu chies, l'anus la reste. Comme ça, tu vas chier seulement. Mais ce n'est pas partout on chie. Dieu a créé le PC. Vous cherchez à faire vous nini. Oui, allons-y. Parce que vous devez savoir tout ça. Quand tu commences un commerce, tu commences comment le commerce? Tout ça, vous devez savoir. Vous devez rentrer dans une belle maison. Comment consacrer la maison? On t'a donné un rendez-vous de l'ambassade. C'est tellement simple. Si tu as un rendez-vous dans deux semaines, tu as gagné même. Ne te presse pas. Chaque 1h du matin, il faut commencer à parler au consul de la France. On dit, dès que tu touches mon portable, mon passeport, tu dois mettre un visa. À 1h jusqu'à 2h, tu parles seulement. C'est comme si tu parlais au consul. Tu parles seulement. Si les 2h du matin, va dormir pendant 7 jours. Quand tu finis ça là, va ton rendez-vous. S'il prend, il met un visa dedans. Il réfléchit pas. À partir de 1h du matin, beaucoup de choses se règlent. Amen. Amen. Tu vois mon passeport, tu auras envie de mettre visa. Ah oui. Amen. On dit, et le semeur sème la parole. Pour s'aimer la parole. Pour récolter. Si tu as sémé visa, tu vas récolter visa. Tu as sémé quoi que le passeport. Amen. Amen. Et tu n'as rien servi. Seigneur, le feu, Seigneur, la case, on est sème le visa. Le passeport. Le gars, il prend, il a le même visa. Amen. Amen. Les chrétiens, vous êtes très dangereux. Prenez Marc 4, vous allez voir. Marc 4, verset 13, je crois. Marc 4, verset 14. On dit, et le semeur sème la parole. Alléluia. Si tu veux construire une maison, tu dis, ce sorcier qui va venir chier dans ma maison pour empêcher la maison d'être achevée. Voici ce qui va arriver. C'est ce sort-là qui va arriver, sorcier. Et tout ce que tu lis sera lié. Et tout ce que tu délies sera délié. Mais tu dis rien. Oh, quand c'est quelque chose, il faut parler. Amen. C'est que quand vous avez une nouvelle née, quand vos femmes, vous savez que la femme a commencé, elle est tombée enceinte. Elle a pris le premier mois, vous êtes d'accord avec la grossesse, commencez à toucher le ventre. Parlez au fœtus. Dis, toi, tu dois être un champion. Si c'est elle, tu ne dois pas, tu vas réussir.
commence à parler jusqu'au 9e mois. Quand le 9e mois, l'enfant accouche, le placenta, prenez le placenta, allez enterrer vous-même, parlez sur le placenta pour dire désormais, l'enfant, là, toute fois qu'il sera sur cette terre, il ne doit jamais échouer. Ce que tu as semé, là, c'est ce que l'enfant va récolter. Amen. Vous ne dites rien sur l'enfant, c'est d'autres personnes qui parlent, on vous dit non, le placenta, là, on va broyer ça. Vous ne savez pas ce que les femmes, chaque femme font là-bas. La plupart sont des francs-maçons. D'autres, mais ils prennent ça pour manger, sauce tomate et ça. Je ne dis pas les noms, vous connaissez. Pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Vous-même connaissez ceux qui mangent tomate, sauce tomate, akassa, ça. Vous connaissez ça. Pas le prophète. Vous-même, vous connaissez, je connais. Le placenta, là, c'est un petit truc qui nourrit l'enfant dans le ventre. Quand l'enfant sort, ça doit descendre. Quand ça descend, on enterre ça. Souvent, c'est nos vieilles femmes là qui enterrent ça au village. Mm-hmm. Quand ils vont enterrer, ils parlent. Elles ont dit quoi? L'enfant vient les voyous, il mange seulement. Têtu, on est cabri. Cabri de la forêt, des campements. Cabri de campement et les voyous. Hein. Mal impoli. Il crie sur toi. Il veut te manger. Cabri de campement. Ou vilain capement, le capement est encore plus dangereux. Tu prends le placenta et tu pars. Deutéronome le chapitre 32 nous dit, Père, écoute ma parole. Parce que Père a les oreilles. Amen. Si on m'a affecté à Divo, je dois parler à Divo. Je dois dire à la terre de Divo, où les gens échouent à Divo, moi, Crasso, je ne dois pas échouer ici à Divo. Mon ministère doit marcher. Amen. Amen. Mais tu n'as rien dit. Les gens disent qu'on a un problème. Tu auras le même problème que c'est ce que toi tu as semé là que tu récoltes. Est-ce que vous m'avez saisi un peu? Amen. Toi tu as semé quoi? Or, la Bible dit que là où tu fouleras les pieds, Dieu te donne le territoire en héritage. C'est nous qui négligeons le pouvoir qui est en nous. Selon les sages, ils savent qui ils sont. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ pour la victoire. Je connais un secret. Comme les femmes, les gens dont le commerce est gâté, n'est-ce pas? Vos commerces sont gâtés. Et puis quand vous voulez reprendre, ça se fait. On appelle ça non-aboutissement. Dans le commerce, ça ne marche pas. Ça va marcher. Le secret c'est quoi? Vous commencez une action prophétique un lundi jusqu'à dimanche. Comment vous faites? C'est-à-dire, la bouteille, vous la prenez à partir de minuit. Vous commencez à semer sur vos vies. Parce que vous voyez, la terre que vous êtes là, elle est plus fertile. Elle ne peut plus produire le commerce. Elle ne peut plus produire la richesse. Pourquoi? Parce que c'est la terre que Dieu a pris pour fabriquer l'homme, n'est-ce pas? Prenez la baisse. Okay. Donc la terre on sème, n'est-ce pas? Donc si toi tu ne produis pas le commerce, c'est que le commerce a été gâté en toi, n'est-ce pas? Or le chiffre c'est le chiffre de la perfection. Écoutez très bien ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Très bien. On peut s'entendre là. Moi je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Hein? Les pasteurs vous disent non, vous ne pas chercher comme les gens, vous ne pas embrasser comme les gens. Bon, ça c'est, tout ça c'est bon. Moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour montrer comment tu vas avoir l'argent, comment les sociaux vont être, ils vont avoir peur de toi. Ça, c'est le don de chacun. Amen. Amen. Voilà. Si tu ne veux pas, toi tu le terrasses, marche lui, tu t'avances. Nous, on a ce don-là. C'est notre don, ça. Chacun a son don. Donc, tu prends les 7 bouteilles d'huile d'onction. N'est-ce pas? Le lundi nuit, tu commences à parler. Or, vous gérez avec tous les esprits de la semaine. N'est-ce pas? Pourquoi il commence par lundi jusqu'à dimanche? C'est-à-dire les esprits de la semaine. Parce que chaque semaine, vous allez trouver ça. Lundi jusqu'à dimanche, n'est-ce pas? Très bien. Vous allez trouver tout ces 7 jours-là dans la semaine. Amen. Amen. Il faut que chaque semaine respecte l'onction qui est sur toi. On va bien saisir? Très bien. Donc, à partir de minuit lundi, tu commences à parler. Vous dites, moi, tu dis tout ton nom. Je sème à moi la semence de la plus grande ou le plus grand commerçant. Tout ce qu'il a fait comme commerce doit désormais marcher.
Amen. Quand tu finis, tu sèches. On se nettoie pas. Vous avez dit, ah, prophète, comment lui il a fait sécher? Ça dit, ça quitte toi un peu, on dort, puis tu vas dormir. Matin, tu te laves. On se lave, hein? Matin, 6h, tu peux te laver. Mardi, tu reprends la même chose. La même heure, la même parole, tu sèmes. Les mêmes bouteilles là, tu déposes, hein? Jusqu'à dimanche. Tu as sémé. Or, on ne récolte que ce qu'on a. C'est clair. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Vous pensez que ça allait en brousse seulement. Comme être une terre. Donc, il faut s'aimer en toi. Amen. Si tu veux du travail, sème en toi le travail. Quand comme ça, il y a travail, c'est toi en prend parce qu'il y a la sémence du travail en toi. Si tu veux mariage, sème en toi le mariage. Comme ça, quand on voit le monsieur, il dit, c'est elle ma femme. Amen. 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 Ben, c'est ce que tu sèmes là que tu récoltes. Mais là, si tu as des plaintes, tu t'entends de pleurer. C'est plein, tu vas avoir de même situation. Quand les gens, ils sèment les pleurs seulement. Ils pleurent seulement. Pleurs n'est pas une semence. On dit, et le semeur sème la parole. C'est la parole qui est la semence. Mais quelle est la parole que tu as semée en fait? Donc, quand tu finis les 7 jours là, le lundi, le dimanche, c'est fini. Lundi matin, parle à la bouteille, les 7 bouteilles cassent. Le jour où quelqu'un va s'élever pour gâter mon commerce, il n'a qu'à exploser ça. Comme les bouteilles sont en train d'exploser. C'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Comme c'est en toi, le commerce va venir vers toi. Est-ce que vous savez ça? Ils sont dans le secret des grandes révélations. Comme la semence. Vous savez, quand le diable, regardez le diable là, qu'est-ce qu'il fait? Il sème en vous le célibat. Hein? Les sorciers, c'est ce qu'ils font. Hein? Quand je les noisis là, il sème en toi le célibat. Donc tout ce qui est mariage, ça te fuit. Or, quand tu as semé en toi le commerce, tout ce qui est commerce, c'est vers toi, ça vient. Amen. C'est comme ça. C'est quand tu mets les mains ici. Tout ce qui est fait là, ça rentre dans tout ça. Tu m'as bien saisi. Donc qu'est-ce que tu as semé en toi? Parce qu'on gâte ça. Il y a des gens qui ont ce don là, mais c'est gâté. Il faut réparer ça. Balancher. C'est tout. On commence à t'acheter le lundi jusqu'à dimanche. Tu m'as bien saisi? Moi, c'est mon ministère. Le ministère des prophètes, c'est le ministère des mystères. C'est des choses que vous devez savoir. On m'a bien saisi. Amen. C'est tout. Si on t'a fêté à Gagnoua, quand tu descends à Gagnoua, il faut commencer à parler sur la tête de Gagnoua. Je ne suis pas venu à Gagnoua pour paix, pour échouer. Gagnoua, tu dois m'apporter le bonheur. C'est fini. Vers ce qu'on là, on dit, partout tu vas passer à Gagnoua, c'est la chance. Il n'y a pas une terre où il y a malédiction. Pour toi, la malédiction s'est transformée en bénédiction. Amen. Amen. Parce que tu es Israël. Amen. C'est tout. C'est nous qui changeons en tant qu'enfant de Dieu la malédiction en bénédiction. Oh, malédiction veut dire la parole mal dit, c'est la diction. C'est la parole, la diction. C'est la diction, la mauvaise diction et la bonne diction. C'est tout. S'il y a la mauvaise diction, il faut que la bonne diction vienne révoquer la mauvaise diction pour repositionner la bonne parole qu'on dit la bénédiction. Vous savez, quand tu connais les choses, tu ne trembles pas. Quand tu refuses de ça, tu es guidé où? Amen. Quand ça fait peur, il faut parler à ton pasteur. Tant où il debout, le pasteur, voilà, c'est trop sacré. Hein? Tu n'as pas encore eu une petite signature, tu dis, ah, passe pas, tout le monde touche. Tu as déjà pris l'avion, hein? Il y a déjà quand il voit le pasteur, il a déjà demandé dans l'avion. Oh, il y a des gens qui n'ont pas ça dans le quartier. Allez voir. Allez voir, puis touche. Allez voir. On charge le passeport. Quand tu viens, on jette, mais on oublie, on jette. Quand tu prends le passeport, que ça soit consacré. Tout ce qui va t'apporter la réussite, là, je vous fais ça. Vous savez, quand tu vas payer un nouveau costume, il ne faut pas que tout le monde touche ça. Il y a des choses que vous ne savez pas. Amen. Amen. C'est comme le porte-monnaie, mon portefeuille. Ce n'est pas tout le monde qui touche. C'est comme les cas de visite là, je n'ai même pas. Ça ne m'emporte pas comme ça. Hein. Parce qu'il y a des mystiques.
Eux, ils travaillent les cas de visite. Pour vous avoir, ils vous ont cas de visite. Donc, comme dans le cas de visite, on met sur cas de visite, on met dans le portefeuille. Quand vous introduisez des gens, ils contrôlent votre argent. Sur le système des anarchistes, on fait travail. Toutes les personnes ont moyen disparaissent en même. Ils contrôlent ton argent. Amen. Pour ça, moi, quand je ne suis pas convaincu de donner mon arrêt, je ne donne pas. Pour faire pitié. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Mais je pardonne. Donne-moi l'arrêt derrière. Et c'est ici, mais je toi, c'est la malédiction que je vais avoir. Je ne donne pas. Amen. Amen. Je ne donne pas mon arrêt à tout le monde. Quand il mène mon arrêt sur toi, là, je dois récolter ça. Amen. On m'a bien écouté. Amen. Vous ne pas vous connaissez les secrets, vous n'allez jamais être pauvre. Le jour où l'argent disparaît, on va faire définir votre argent. C'est comme ça. Sous, n'oubliez pas le psaume 23, à partir de 14 du matin, vous avez toujours l'argent. Amen. Non, il y a des choses où j'ai commencé à apprendre hein, avec les juifs. La Bible, ça a été qu'en araméen, et puis ça a été qu'en hébreu. Amen. La terre ici, je ne suis pas venu pour être dernier. Or, c'est la connaissance qui apporte la richesse. Si tu ne connais pas tes zéros, il faut connaître les choses. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va bien saisir. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. C'est les secrets que je vais vous donner. Vous devez connaître. Ce n'est pas tous les passés que vous expliquez. Le feu, c'est moi, le feu. Oh, regarde, c'est moi. Oh, les sorciers, là, ils ont un petit feu, hein. Ah, vous pouvez, là. Mais quelqu'un qui met chaque feu depuis t'es né, c'est le feu que tu mets sur lui. Tu ne peux pas aller calculer comme un mec anti-feu sur lui. Mais les amis, bon, plus anti-feu. Amen. Amen. Et les petites choses comme ça qu'on venait comme ça vous partage comme secret. Amen. Amen. Le chiffre 7. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous regardez, on dit Dieu est 7 fois éternel. Il y a des chiffres qui sont répétés dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous rentrez dans un ministère, par exemple, un ministère et ça ne bouge pas, c'est le chaîne de 40 jours. Tous les soirs, tu montes jusqu'à 18h30, 40 jours, tu rentres dans ton verset ministériel. C'est le chiffre de la mondialisation. C'est nous qui réglons ça. Nous sommes des consultants, les prophètes sont des consultants. Quand ils te regardent, ils te donnent le secret. Ce que tu dois avoir pour ta recette, et puis il va régler. C'est fini, tu règles, ça marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En temps normal, lui, ça ne doit pas manquer chez nous. Non, ça ne doit pas manquer. Amen. Amen. De temps en temps, on fait des frites avec ça. C'est bon. Pour la santé. Lui-même, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de cholestérol. Amen. De temps en temps, chaque semaine, badigeonner un peu dans la maison, c'est assez important. Ça dégage l'aspect. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec les atmosphères bizarres dans la maison. Donc de temps en temps, vous mettez un peu, vous soyez dans vos voitures, c'est important. Vous mettez ça. Parce que c'est important. Amen. De temps en temps, quand vous voyez un petit FT dehors, il est devenu bizarre là. Mettez un peu dans son riz gras, donnez lui à manger. Un enfant avec des riz gras, il est malade. Si tu as vu un enfant d'affaires frit, poisson grillé, riz gras, il ne mange pas, il est malade. Ah, riz gras. Quand un enfant, c'est le content, c'est la fête chez lui. Il fait ça, il fait un poisson frit, il sent bien. Quand il fait les manger, si elle avait donné un peu de sorcellerie, c'est pas forcément au village. Aujourd'hui, mais les sorciers envoyés la capitale. Nos enfants qui aiment demander. Tais-moi, Maca. Puis les Maca sont dangereux. Et les Maca sont dangereux. C'est les sons juifs. Maca dangereux. Le petit là-bas, moi, il m'a bien brisé. Il va Maca, elle est au coucou. Oh, la petite, elle a sorcellé. Tu me demandes, tu veux manger? Il dit oui. Bien. La nuit, tu vois, tu t'envoles.
avec un snob, qui est quelque part dans les airs. Et puis l'enfant te dit, c'est qui t'a mangé là? Voyez ça? Il n'a pas été devant toi. Maintenant, il dit, va tuer papa. Ouais. Et son sorcier, c'est pas venu pour s'amuser, pour tuer l'homme. Quand quelqu'un dit, les sorciers n'aiment pas moi, sorcellerie qu'on fait là, c'est que tu as tué. Pour avoir la parole dans la sorcellerie, il faut que, c'est que tu as déjà donné quelqu'un. Sinon, ils ne te donnent pas les secrets. Ils vont te dire, tu veux, on t'envoie un taille ici. Va d'abord tuer, et maintenant tu fais partie de nos confrères. C'est quand tu as tué, on dit, ok, maintenant on peut te partager les secrets. Et puis la sorcellerie, c'est une doctrine humaine. Si il est tué, tu as donné pour moi, demain tu donnes pour toi. On ne va pas vous laver assiette seulement pour dire non, là, 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 je lave assiette, comme les plongeurs. Non, on lave après la assiette. Tu as mangé, ma maman, il t'a regardé. Tu as tiré son nez, ses oreilles, ses langues, comme langue de bœuf. Il pleut seulement. Yao, 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 yao. Tu m'aimes, ma maman. Le lui a attrapé ton papa. C'est pas ça, les sorciers. Le lui a attrapé ton papa. Et moi, je viens. C'est logique. Amen. Amen. On va bien écouter. Amen. Le fruit partout sur nous. C'est pas partout où il faut ça. Madame, tu as fait quoi? Tu ne mourras plus. Amen. 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 Son cerveau est loin. Il se voit dans une mamie, le sein, en train de bruit. On le sait, on sent les gros morceaux sortir. Il y a Poutou, pendant nuit là, le père est inquiet. Tu ne mourras pas, mon monsieur. Amen. Cette mort là, je suis la diable qui prie à la croix. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Même s'il est mort, il vivra encore. Parce que je suis la résurrection et la vie. Hein? Oui, Jésus a dit oui. Lazare sort, il est sorti. Il a démontré ça. A plus B. Jésus, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Lui aime bien la pratique. Un pragmaticien. Il parle et puis il concrétise ça. Donc avec Jésus-Christ, il n'y a pas peur de la mort. Amen. Amen. Non. Pour les chrétiens, la mort, c'est un gain. Mais un sorcier a un problème à manger. Depuis quand? C'est pour ça qu'il faut t'attacher au Seigneur. C'est important. Ça va? Pourquoi vous, les sorciers, vous ne prenez pas papier, vous mettez dans votre tête, vous bénissez, et puis vous, intelligent, vous jetez. Vous gâtez l'intelligence. Il m'a intelligence là, ton gars, Roquette. Tu as fait quoi encore? Mettez aussi. Mais viens ici. Tu crois la puissance de Jésus? Dieu dit, moi en tant que croyant, tout ce que j'ai béni sera béni. Celui-là, merci. Or, la Bible dit qu'il verse sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Donc, c'est moi qui dois faire, puis la parole vient en exécution. Quand je commence, Dieu exécute cette parole-là. Voilà, c'est pour dire, le diable a fait, non? Moi, j'annule. Or, c'est le système que vous devez connaître. Le diable, il est expert en programmation. Dans la vie, c'est une question de programmation et de déprogrammation. Quand un sorcier dit t'as programmé, il faut une action pour venir déprogrammer ça. Sinon, ceux qui ne savent pas prier, on a prié. Non. Il faut déprogrammer la mort. Je prie au nom de Jésus que de ta faim. Je commande ce soir aux forces mystiques, aux forces de la sorcellerie, de lâcher ton âme, ton esprit et tout ton être. Au nom de Jésus, en libérant ton âme, ton esprit et toute ta vie, je proclame cette déprogrammation et je prophétise que tu vivras longtemps encore afin d'annoncer la bonté de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je vais délivrer cette fille. Amen. Fais ta chose.
dort en paix, à André. Ne plus trembler. Amen. 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 Vive ta vie chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? De quoi? Tu es sorcier? Tu viens qui? Voilà. Il y a eu votre contact et qui nous a fait venir. J'appelle pour moi de mon contact. Comment vous avez su que l'enfant était sorcier? Bon, résumé. On n'a pas dit, oui, on n'a pas dit voir une prophétesse. On est allé voir une prophétesse, c'est elle qui nous a confirmé ça. Et l'enfant? Qu'il est sorcier. Pourquoi elle n'a pas délivré? Il est laissé là-bas 1 an, 6 mois. Depuis l'année qui passée, c'est là-bas qu'il est laissé payer. Monsieur ne voulait pas qu'il reste à la maison à cause des dégâts qu'il faisait. On a payé l'argent, chaque mois on envoyait l'argent. Au début on a payé 4 bouteilles d'huile d'onction. Ils ont dit l'enfant pouvait rester dans le camp, il est resté là-bas. Mais quand je vais lui rendre, je sens qu'il n'est pas comme les autres enfants. Donc j'ai dit à la prophétesse que l'enfant n'est pas guéri. Elle me dit si je suis fatiguée de prendre l'enfant pour partir. Donc sincèrement, c'est ça, je suis partie le récupérer. Et je l'envoie encore chez un autre prophète, il a confirmé encore qu'il est sorti encore. Et là, il a vu que ce n'était pas encore fini. Est-ce qu'ils ont une fois fait la délivrance devant toi, l'enfant est tombé, les esprits sont tombés, partis? Non. S'il ne vit pas cette action, c'est que le démon est là. Il faut que le démon se manifeste. Et qu'on le chasse et qu'il parte. C'est fini. Parce que les aveux, j'ai fait, j'ai tué, ne délivre pas le sorcier. Ça, c'est ce qu'on appelle aveu. La confession, il a confessé, ok. Mais il y a quelque chose en lui, c'est un mauvais esprit. Parce qu'il y en a deux esprits. Il y a l'esprit saint, que le Saint-Esprit qui nous anime, nous les chrétiens. Et le mauvais esprit anime les païens, qui ont l'esprit de la sorcellerie. Donc, pour que l'esprit de Dieu vienne loger dans son esprit humain, il faut que le mauvais esprit sorte de son corps. Mais pour que l'esprit sorte, il faut qu'il soit chassé. C'est pour ça que la Bible dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Vous avez compris? Or, quand l'esprit sort, vous savez très bien que la nature a horreur de vide. Voilà. Quand il s'est conscient cela que l'esprit de Dieu vient maintenant loger dans son âme. Amen. Oui. Sinon, l'eau ne les délivre pas. C'est une action prophétique. Mais l'esprit est là. Amen. Voilà. C'est des choses qu'on va apprendre. Ici, tout le monde peut délivrer. Ceux qui même suivent mes vidéos là peuvent délivrer les gens. Parce que déjà, c'est une école. Ici, c'est une école de délivrance. Tu es sorcier. Tu seras grand demain. Voilà. Tu seras grand demain. Ça va? Tu as peur? De quoi? Hein? Non, tu es déjà sorcier, tu vas pas faire des choses. Pas quelqu'un qui est dans l'eau, il dit là, il y a peu de froid. Tu mens. Nous on a peur de ça, on n'est pas des âmes. Pas des dedans, ça fait peur, tu mets d'image. Voilà. Amen. Il y a des âmes. Tu es sorcier. Tu tues. Tu as fait quoi? Comment tu les tues? Hein? Et comment tu fais? Laisse-nous aider. Toi, tu fréquentes, non? Ceux qui ont les pieds là. Oui. Les deux filles là, leurs pieds là. Ça va guérir d'ici une semaine. Maintenant, elle marche, elle sait bien marcher. Elle arrive bien les pieds là. On peut pas. Bon, ceux qui ont vu, ils ont vu ce que c'était. Ça appuyait. Ça appuyait, tout ça. On peut défaire un peu. Ah. Ah. Ouvrir un peu. Ouais.
Faut fermer. Ferme. Il faut être amour, hein. C'est ça l'amour des âmes. C'est ce qu'on appelle la compassion des âmes. Tu transcendes, c'est-à-dire, tu t'en fous de ce que la personne a fait. Tu te bases sur le principe, je vais sauver la personne. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Sinon, nous, on a fait des vilaines choses, et puis Jésus est venu. Nous aussi, il n'est pas rentré. Regarde sur moi les coloris. Femme des gens, mari des gens. Mais malgré ça, Jésus nous a sauvé la croix. Amen. Si Jésus voulait regarder nos péchés, là, il n'allait jamais mourir. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un est dans le péché, il faut le sauver. Nous sommes les imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez imiter Jésus, là, c'est venu à l'église, prends Bible. C'est ça l'amour. C'est là, ça va sécher et c'est un témoignage. Amen. D'ici jusqu'à dimanche, vous allez glorifier le nom du Seigneur. Amen. 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 Moi, je les aime beaucoup. Ouais. Ce que je n'aime pas en eux, c'est la sorcellerie. Sinon, l'être humain, j'aime les enfants. Ils doivent changer pour en témoigner à la gloire de Dieu. Amen. Vraiment en train de combattre l'esprit. Ça va? Tu vas en sixième. Tes pieds allaient te manger. Toi, viens. Toi, là. J'ai mis Dieu, quoi. Ça va? Ça va, maintenant, tu marches bien. Ça va? Pour vendre pieds, quand on porte pied d'époque, la peau de bœuf, on prépare au moins quelqu'un, la peau de soupe. Les sorciers ont moyen ça. Sorcier, mec, qui a un fichier de viande, qui a fait, toi, tu vas donner pour toi pied cadeau. Tu vas manger. Il cherche même pas qui mange, il met ça dans l'eau et mange en même temps. Mais là, vous venez là, en train de faire des délivrances. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu va vous délivrer. Dieu va vous délivrer. Ça va? Où est la maman? Bien. Depuis que tu es venu, ça va un peu? Elle dit, ça va, mais le problème c'est qu'elle manque de force. On sent même que tu es anémié. Ils ont bizarre tout cas, fatigué. Elle, son corps là, c'est, son sang c'est bizarre. Quand ils mangent, elles vont prendre du vin un peu. Du vin. Le sang de leur maman. Ça va? Jésus t'a délivré. Amen. Dis amen. Amen. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Amen. Vous devez la manger quand? Regarde-moi, ou bien? Tu me dis comment? Tu souris. Tu devais manger la vie là quand? Papa, c'est en janvier. En janvier là. Et va. Pendant que nous-mêmes, on n'a pas encore eu de mouton de janvier poulet, vous avez bien pour. C'est malheureux, hein? Vous élevez seulement. J'avais une aide à manger dans ma main. Ça va? Tu es délivré. Amen. Tu vas être délivré. Tu vas être délivré. Celle-là, elle sait qu'elle serait une substrice. Elle serait une substrice. Tu as servi Dieu. Tu aimes Jésus. Hein? Tu as gâté quoi? Sorcellerie. J'ai gâté la vie de mes camarades. Le micro ne tombe pas. Tu as fait quoi? J'ai gâté la vie. Tu as fait quelle vie? Tu as gâté quoi?
Hein? Dépêchez-vous. Vite, vite. Il y a une, elle, elle a un pouvoir dans le sexe. Il a rien. Elle détruit seulement. Elle t'attrape, si t'es un garçon, elle te détruit seulement. Ton pouvoir, c'est où? Elle est quoi? Hein? Dans son cœur. Voilà. Hein? Elle a Kiki aussi. Voici sa femme. C'est ça, non? Oui. Yo. Yo. Voici sa femme. Elle dit ça fait 4 mètres pour elle. Ah, c'est Kiki les sorcellerie. Je ne vais pas vous décaresser. Vous dites non, Kiki me caresse. Non. Vous êtes blessé. Kiki les sorcellerie, c'est pour blesser les gens. Si c'est pas, si c'est petit, c'est pas sorcellerie. Oh, sorcellerie, là, c'est ce qui blesse là. Bobo tout le monde. C'est Kiki. Moi, elle est délivrée. Moi, je suis content quand je vois un sorcier délivré. Vous ne pouvez pas comprendre l'immense ma joie. Parce que quand un sorcier est délivré, c'est toute une famille qui est libérée. Un village est délivré. Les gens sont là, nous on délivre le sorcier et ça libère toute une famille. Ah oui? C'est pour ça que j'aime voir les sorciers délivrés. Tu as des mariages? Hein? Des prières pour ça? Ça va, Marie? Elle va voir Marie Choco. Toi, tu gardes pour les gens. Hein? Et là, moi aussi. Tu gardes pour les gens. T'as des mariés. Tu veux, quand tu as grandi un peu. Tu as dit chérie, chérie. Sorcellerie. Comment? Voilà, c'est comme ça qu'on délivre les gens. Tu as compris? Comme ça qu'on délivre. J'ai un démon qui en est. Il doit partir. Allez! Comment? Allez! Feu! Allez, feu! Amène la délivrance. Pas l'autre dire. Quand le démon sort, elle est délivrée. Voilà. C'est fini, elle sera délivrée tout à l'heure. Vous êtes délivrée. Qui s'occupe de son école? Elle fréquente où? Elle a main. Elle doit aller à l'école, non? Si, si, si. Voilà, délivrée. Après, vous partez quand? Hein? Tiens, je vois ma participation. Amen. 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 Pour son école, ça fait 20 000. Pour l'aider. Elle est sorcière, mais pour la délivrer, pour l'aider. Amen. Allez, tombe! Allez, tombe! Allez, la délivrer. C'est comme ça que nous délivrons les sorciers. Amen. Ils sont neufs. Quand tu es sorcier, hein? Je te donne pas mon argent. Ah, c'est pas l'amour de Dieu. C'est des gens. Amen. Amen. Faut qu'elle parte à l'école. Amen. Qu'elle soit demain. Parce que l'aspect sorcier en train de finir. Nous sommes en train de délivrer. Tout à l'heure,
les parsemons ont achevé la délivrance. Elle sera délivrée. Elle va reprendre l'école. Elle sera demain sur Trise. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour moi aussi. C'est pour la Côte d'Ivoire. J'ai participé. Et c'est tout ça qui est important. Pour pas négliger les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de scolariser 400 élèves dans la ville de Divo. 200 élèves à Zaroko, 200 élèves ici. On allait dans le bidonville de Divo, à Dialogue. Les enfants les plus pauvres, on leur a donné les kits scolaires. En décembre encore, on va les suivre. Ok, dès mai 24. L'église doit contribuer au développement d'une nation. Amen. On passe à soi pour dire, tel pasteur n'est pas bon, il est bon, il est pas bon. Nous contribuons au développement de la Côte d'Ivoire. Quand on dit développement, envoyons nos enfants à l'école. Amen. Si ils sont quatre demain, c'est la Côte d'Ivoire qui se développe. Amen. C'est pour ça que je vous encourage, les parents d'élèves, vous êtes là, envoyez les enfants à l'école. Quand on dit entrée scolaire, ça ne vous surprend pas. La seule chose qui surprend, c'est la mort. Qui n'est pas d'accord? Amen. C'est la mort qui ne dit pas, rendez-vous. Si la mort donne rendez-vous, ah, chacun est parti. Tu ne vas pas me trouver à la maison. Mais la rentrée scolaire, ça ne surprend pas quelqu'un. Si elle est rentrée aujourd'hui, demain, elle doit rentrer scolaire. Donc, si tu as mangé 100 francs, si tu as eu 200 francs, tu as mangé 100 francs, garde 100 francs pour la rentrée. Ah non, on n'a pas l'argent. On n'a pas cette culture-là d'aider les enfants. C'est dangereux pour nous, les Noirs. Il faut aider les gens. Bien, tu viens délivrer. Sorcier, ça fait quoi dans ta vie? Ça te fait comment? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu aimes. Tu lâches sa vie. Tu m'attends? Lâche-la. Lâche-la. Quitte son cœur. Et va-t'en. Voilà. Va. Pas maintenant. Pas maintenant. Lâche-la. 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 Quand feu. Le feu détruit tes œuvres dans ce corps. Va-t'en. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Allez. Feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez. Lâche-la. 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 Pardon. Feu. Allez, comment feu, comment feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. Comment. Le feu. Le feu. Le feu. Amène-la à la délivrance rapidement. Le feu.
En réalité, la fille, là, elle était là, mais il y avait une force en elle. Et c'est le démon là qui est en train de gémir, là, qui est en train de pleurer. C'est une force entre la force de Dieu et celle du démon. C'est pour cela que nous autres, quand quelqu'un commence à faire des aveux, on n'en veut pas cette personne. Pourquoi on dit tu es possédé? Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui possède ta volonté, qui tient ta volonté en main. Après que tu n'as plus de volonté, tu ne veux pas, mais ça te pousse à faire ça. Donc, tant que le démon ne part pas, la personne demeure sorcière. C'est pour ça que quand quelqu'un dit délivre les sorciers, il faut qu'il soit mesure de délivre, de chasser le démon. Le démon de la sorcellerie, on appelle l'esprit méchant de la sorcellerie. Parce que dans la catégorie des démons, il y en a plus de 6 démons. On va venir encore là-dessus un jour pour étudier la démologie. Moi, c'est ma spécialité, la démologie. Parce que l'angéologie, il y a aussi la démologie. Voilà. Maintenant, on est spécialisé dans le domaine des œuvres de la sorcellerie. C'est un esprit qu'on appelle esprit méchant. Il n'y a pas de sentiments. Quand un sorcier gagne la sorcellerie, ce qu'on détruit en lui, c'est les sentiments, l'amour, ça n'existe plus. La différence entre nous, c'est que nous, on a amour. Eux, ils n'ont pas amour. Hein. Papa, il dit, prenez, allez, imagine. C'est quoi, papa? Aïe. Nous, oui. Papa, il est vaincu. L'enfant le tire, comme mouton. Un petit avec tes gorges. Il fait trop de tomates. Il te fait frites. Tu frit un peu, et puis tu manges. Voilà. Et il n'a pas de sentiments. Hein. C'est seul Jésus qui les maîtrise. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Va. Où est, non? Où est la présence des esprits dans sa patrie? Où est comment les esprits sont en train de se manifester? Ce sont des démons, c'est une lutte, c'est une force. Ben oui. Dieu est fort. Moi, j'ai l'habitude de faire la délivrance pour ça, les enfants sortent. Quelle affaire? Ah, c'est crapaud qui est sorti. Vous n'avez pas encore assisté à délivrance. Il y a délivrance, puis il y a délivrance, hein? On est en ville, sinon qu'on va au cœur de la sorcellerie dans les villages, c'est la sorcellerie brute. J'en fasse de ça même comme ça. Le gars il te flash, tu vois les flashs, puis tu te résistes, puis tu fonces sur lui, comme un bon guerrier. Ouais. Il est sur ton territoire, il dit, c'est vrai qu'ils vont m'attraper, mais il va te flasher quand même. Elle est sorcière comme ça. Le gars il fonce sur lui, dans un village, je vais guérir, il est foncé sur lui. Il est dadiné comme ça. Je dis ouais. Tu restes tranquille. Il y a eu vertige. Je me suis rappelé la parole d'Esaïe 54, verset 17. Quand il a fini de foncer sur lui, il dit, je parle, mais parle. Amène-moi, j'ai parlé. Et mon filet, ça vraiment, ça t'a loupé là. Avant, il parlait. C'est eux là qui ne parlent pas, ils sont là. Moi, je suis sorcier. J'étais loupé. Là, tu envoies de venir attraper les gens dans le village. Moi, ici, toi, viens m'attraper. C'est maintenant que je vois que ton Dieu est fort. Il a commencé à parler. Je lui ai dit aussi, de toute façon tu m'as loupé là. J'ai si ton visa tête. Tu étais mort. Je lui ai donné le visa. 2 semaines après, il est parti à Mauritanie. Direct. Le vol est venu, on l'a envoyé dans un jet privé. Dans Mauritanie. Mauritanie, c'est chez les morts, c'est sur la terre, on appelle Mauritanie. Chez les morts, on appelle Mauritanie. Au nom de Jésus. L'Afrique a expert en fétiche. Je suis allé à Bondoukou. J'ai touché un fétiche. Ça a touché, ça a failli me faire un arrêt cardiaque. Les Bondoukouins, vous voyez là, sont dangereux en fétiche. Il y a des images. Le monsieur, il veut poser sa candidature, ils ont paralysé. Il a traversé le fétiche. Quand il est rentré à Abidjan, paralysé. On l'a envoyé à Pisab. Il ne bouge pas. Or, ils ont pris 3 aigus dans la tête de crapauds. Or, j'ai ici les pieds dans un canari bizarre attaché. Plus lance.
J'ai dit à le monsieur, il est temps de nous nourrir. Les gens mettent la prison, ils ont dit, il ne peut pas guérir le monsieur là. Pour dépenser, c'est des millions à prison là. Si prison t'a pas soigné, c'est pire, il va se. À moins qu'il y ait un miracle de Dieu. Ben, tous les professeurs, ça a pris en maison. Je rentre chez le monsieur, je le regarde, il sait qu'il est mort. On me donne deux voitures, 4x4, je fonce à Bordeaux. Et si on dormait, le gars est mort. Quand on est arrivé là, c'est que les petits nous ont montré. Ça a failli me donner un arrêt cardiaque. Les gens ne parlent pas. L'Afrique a des mystères. C'est ce qu'on appelle la réalité africaine. Les blancs pour eux. Ils vont nous faire croire que non. Nous avons pour nous ici. C'est seul l'évangile qui a fait que les blancs ont pénétré l'Afrique. C'est les missionnaires qui sont venus ici. C'est la parole de Dieu. Ils sont levés, ils disparaissent dans ta harpe, tu le vois. Ils chachicotent ta nuit qui est tombée. Les grands chasseurs de l'éléphant et les sorciers. Mon parent là, les grands chasseurs de. C'est les sorciers. Tous ceux qui sont là faire la guerre, c'est les sorciers. Le gars, tu le tires, il disparaît. Derrière le blanc dit, hey, le blanc regarde les gorges. Écoutez les blancs. Et ça, les blancs ont remarqué, dit, bon, ok. C'est qui nous avons détruit là-bas. Nous avons convaincu de retrouver ça en Afrique. Ils ont envoyé l'évangile. C'est pour ça qu'il y avait l'école missionnaire catholique. C'est l'évangile qui a pénétré l'Afrique, qui a neutralisé la société africaine. C'est tout. Seule la parole de Dieu peut neutraliser le pouvoir de la société. Lâche-la. Au nom de Jésus. Allez. Le feu. Le feu. Il va quitter et libérer son corps. Au nom de Jésus. Va-t'en. Pas. Allez. Sors. Tu pars. Le démon a entendu partir. C'est ça, on dit, on entend faire la délivrance. C'est-à-dire qu'on on délivre la personne de l'esprit de la sorcellerie. On le défait. C'est-à-dire elle est libérée totalement de ces démons-là. Il entend partir. Va. Va. Va-t'en. Alors, comme vous savez bien, le diable n'aime pas. Il n'aime pas être vaincu vite, vite. Or, il va partir. Va-t'en. Va-t'en. Le nom de Jésus, là, le diable, c'est. Ce nom-là, il est trop puissant. Il est très puissant. Va. Quitte. Au nom de Jésus. La libère définitivement. Va. C'est fini. K.O. Lève-toi. Jésus. Elle est délivrée. Amen. Juste une petite démonstration devant toi. Ouais, tu as vécu sans direct. Amen. Je suis convaincu qu'elle est délivrée. Mais dès lors, comme elle a parlé, elle est délivrée. Ça en fait délivrance. Le démon est parti. Ça va? Demande qu'est-ce qu'elle a vu qui était dans son corps. Comment il est? C'est noir. C'est noir. C'est fini. C'est délivré. C'est fini, elle est délivrée. Tu as fait quoi? Tu as gâté quoi et quoi? Hein? Ma vie et le travail. J'ai pas compris en français. Et gâter la vie. De qui? Moi, tu veux qu'il demande de qui? Tu es fatigué. Du matin. Où est? Au village. Elle seule? Non, papa.
Dis-moi, tu as gâté qui est qui? Pourquoi ça nous intéresse les victimes? Pourquoi? Parce que les sorciers, vous voyez là, eux ne peuvent pas arranger. Hein? Ils sont experts en gâter. Or, si on t'a dit on t'a gâté, il faut qu'on soit en mesure de prier pour toi. C'est pour ça que nous, ça nous intéresse. Le nom de ceux qui ont gâté. On ne se dit pas du nom, il a parlé, c'est fini. Non. Quand le sorcier fait des aveux, j'ai gâté, tu as gâté qui? On appelle la personne et puis on le délivre. Si on ne l'a pas délivré, la personne est encore sous le joug de la sorcellerie. Ça m'a bien saisi. Amen. Et souvent, Dieu nous amène souvent à aller dans le village. Quand on va dans le village, on va se poser un acte prophétique. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, quand on pose une action, c'est fini. Tout est bouclé dans le village. Oui. Regardez sa vie. Hé, je suis fatigué, vraiment fatigué. Je ne sais pas qui t'a gardé, tu dis regarder sa vie. J'ai gâté la vie de ma tante. Tu la connais? Non, maman. Donc, elle a bien bon. Donc, demande-moi de dire, de te poser les questions. T'as envie de parler, t'as envie de parler. Tu veux être délivré? Tu es enfant et tu es dans la fête des vieux. Ça se dit, ça fait peur. La nuit où on ne doit pas sortir, toi tu sors. Pour faire quoi? Il m'a mangé bien de l'homme. Hein? L'homme, c'est doux. Tu as la chance, hein? De manger. Sol grec. Manger sol grec. Tu l'as délivré. Ok. Si ça m'a arrêté depuis là. Elle me fatigue. J'ai dit que tu allais parler, non? Hein? Mets-toi comme ça. Je t'ai dit non, écoute. J'ai gâté la vie de 9 personnes. Tu as tué ou tu as gâté? J'ai tué les 14. Elle a son parrain où? Mon père. Ça me fait sortir quand il y a. Elle a trop mangé la vie. C'est là quand elle t'attrait moins les sous là. Ici. Moi, l'homme. Sorcier. Il y a un petit pouvoir où l'envoler. Comme si c'est bonne chose. Vos amis prennent ça pour fabriquer avion. Vous venez, vous n'avez rien. Elle dit, ma à Paris. Tes amis vont à Paris pour faire bonne chose. Toi, c'est pour aller gâter les gens là-bas. Vous cherchez le visa, non? Elle-même, elle a le visa. Elle a fou. Elle est point guette, elle est partie. Tu l'as échappé ici. Je te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'en dis, c'est la preuve d'une mamie. Tes chairs humaines, reste tranquille. Elle te vide sa vie vite. Feu! Allez, feu. Feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
Allez! 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 T'as dit qu'il t'a dit d'aller chercher sa sorcellerie là. Allez! Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ton pouvoir. Maintenant. La puissance de Dieu. 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 Feu! Allez! Allez! Le feu sur toi! Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Tu te sens un peu à l'aise, ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu as? Comment ça va? J'arrive là-bas. Comment ça va? Pourquoi le démon est gros? Oui. Thank you.
ta femme. Va-t'en. Allez. Tu la libères maintenant même. C'est un ordre. Au nom de Jésus de Nazareth, je la libère. Va-t'en. 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 Je brise ce mariage mystique au nom de Jésus. Et tu quittes sa vie maintenant même dans le nom de Jésus. Je te déloge. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus, la puissance de Dieu te grâce maintenant. La puissance de Dieu te touche. Va-t'en. Va-t'en. Lâche-la. 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 Oui. Dieu veut faire ton existence dans sa vie. C'est la fin. C'est ton existence dans sa vie. C'est la fin de son existence. Aujourd'hui-là. 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 Dieu met fin à ton existence. Va-t'en. Allez. Fais. Va-t'en. Lâche-la. Dieu met fin à ton existence. Lâche-la. 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 Fais. Lâche-la. Il va partir. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis mis debout tout le monde. Prie et présente la situation à Jésus. Présente la situation à Jésus. Présente. Ouvre la bouche. Je suis un peu plus de temps.
Recevez la délivrance au nom de Jésus. Chavi, tu libères son art, tu libères sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Lâche-moi sa vie. Lâche-moi sa vie. Lâche sa vie. Go! Lâche sa vie. Feu! Lâche-moi. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Nom de Jésus, la puissance de Jésus te libère. La main de Jésus te délivre. Sa main te délivre ce soir. Sa main te libère ce soir. La puissante main de Jésus te délivre ce soir. Jésus te délivre ce soir. Lâche-la. 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 Libère-la. Lâche-la. Qui es-tu? Toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-la. Tu m'attends? Tu m'attends? Lâche-la. Libère-la. 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 Tu vas libérer son âme. Tu vas libérer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons tous nous tenir debout, faire des proclamations. C'est important. Il faut commencer à proclamer la puissance de Dieu sur l'échec de ta vie. Il faut commencer à proclamer la puissance de Jésus-Christ sur la pauvreté et sur la maladie. Où la bouche est pâle. Je vais voir tout le monde prier, s'il vous plaît. Et la main de Dieu. Jésus-Christ, accorde. Merci Jésus. Ah! Comment? Commence à prier, parle, 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 prie, 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 c'est la puissance de Dieu, prie, 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 la puissance de Dieu, prie, 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 prie,
Amenez l'esprit de la sorcellerie, les esprits de chèque. Priez. Il faut faire des prières, plus. Parle. Je condamne toutes les œuvres de la sorcellerie de ma vie. Parle. Toute pauvreté, le stérilement, la maladie, la stérilité. Continue de prier, plus. Il parle, ce soir, parle. Il te libère ce soir. Continue de prier. De la famille de te libérer.